Le prince Harry était présent au couronnement de son père, sans son épouse pour autant. Le duc de Sussex a tenu à honorer la famille royale de sa présence et il est même reparti avec un souvenir ce samedi 6 mai 2023, Charles III a enfin été couronné roi d'Angleterre. Sans sa femme, le prince Harry est venu des États-Unis pour célébrer cet événement historique. S'il n'a pas fait partie des membres actifs de la couronne, comme ce fut le cas pour son frère, le duc de Sussex était tout de même présent dans l'abbaye de Westminster, au troisième rang. Et apparemment, l'époux de Meghan Markle a décidé d'emporter avec lui un souvenir très intime du couronnement. En effet, il a été vu avec un ordre de service sous le bras, alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport. Ce document est un guide imprimé de la cérémonie qui décrit avec précision tout le déroulé du couronnement. À l'intérieur, on peut aussi y lire tous les hymnes et prières qui ont été chantés lors de la cérémonie. La présence du prince Harry lors du couronnement de son père est une sorte de démonstration d'unité dans la famille royale. De nombreux experts royaux ont étudié le comportement de l'époux de Meghan Markle. En discutant d'abord avec Edo, il a ensuite attiré l'attention de Jenny et de Jack et nous avons vu un retour incroyable du prince Joker alors qu'Harry souriait et utilisait deux mains largement en coupe sous son ventre pour faire ce qui ressemblait à un mime de Jenny. État de forte grossesse. L'attitude du prince Harry étudiée au millimètre près après avoir discuté avec Eugénie et Jack, le prince Harry s'est mis à reculer pour marcher seul. Toujours souriant et les joues arrondies, il a ensuite procédé à une démonstration de ce qui ressemblait à une bravade plutôt arrogante. Sa marche à grands pas avait l'air désinvolte alors qu'il repoussait un côté de sa veste avant de remonter l'allée en hochant la tête, en souriant, en utilisant des rituels de sourcils et en discutant avec les gens de la congrégation comme s'il signalait au monde qu'il était optimiste, confiant et heureux d'être de retour. À propos de l'auteur passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles est Thomas Pesquet furieux, fer rarissime, le spationaute français tape du poing. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis plus de 30 ans, pourquoi ne sont-ils pas marre? Ce que je préfère chez lui, si est-il, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une personne.